Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve. Laisse tomber, hein. Je chuchote à vos basses, c'est normal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous faire un tuto, enfin comme vous l'avez dans le titre. Ça fait longtemps que je vous avais dit que j'allais en faire une. Donc tuto comment faire une couverture slash. Donc voilà, et petite aussi, pas à propos de la couverture, j'ai un idée, pas à propos de la couverture, mais merci à tous mes abonnés et aussi au 12e abonné, merci beaucoup. Voilà, ça a mis, je crois que ça fait maintenant 3 mois que j'ai ma chaîne et en 3 mois 12 abonnés, je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que moi je me trouve clairement un peu nulle de ce que je fais, c'est à dire que c'est des Playmobil et des Schlesch, mais sur la caméra j'ai déjà vu vite fait un extrait et j'ai une voix un peu bizarre, je trouve, comparé à d'autres youtubeurs qui font des Schlesch, donc je suis vraiment désolée. Peut-être aussi que c'est par rapport parce que j'ai des allergies. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais je pense que s'il y en a qui ont des allergies, ils le savent. C'est chiant, j'éternue quasi tout le temps. Et du coup, ça me donne aussi une voix bizarre. C'est-à-dire que j'ai toujours le nez bouché. Voilà. Mais sinon, on revient à la vidéo. Enfin, au sujet, on va dire, principal de la vidéo, c'est que, du coup, pour remercier mon 12e abonné et tous mes abonnés d'être abonné à moi, et aussi pour vous montrer un cheval que ma copine Roxane m'a prêté. Enfin, elle est venue dimanche, elle me l'a prêté la nuit. Hier, au final, vu que sa couverture c'était défaite, il me semble que c'était pour ça, et ben on se les reprêtait. C'est-à-dire que moi, j'y avais prêté Nuance. Et hier, au passage, j'ai prêté Blanche à Talia. Mais ce matin, genre moi, j'avais prêté à Roxane Nuance et à Talia Blanche. Et moi, Roxane m'avait prêté Emerald. Alors, je vous montre. Il est magnifique. Attendez, mon petit tête. Il est magnifique. Les gaines, bien sûr, elles viennent de moi. Avant, elle avait des élastiques plus foncés, mais bon, c'est pas joli comme ça. Elle veut pas que je lui fasse les pattes arrière. Hein. J'y ai demandé aujourd'hui, mais non. Et du coup, Roxane m'a prêté ce cheval, petit cheval. Et ce matin, dès que je suis arrivée, je leur ai annoncé la bonne nouvelle, et je vous l'annonce là maintenant, que jeudi, vendredi ou samedi, enfin sur le Amazon il y a écrit samedi, mais je pense que ça arrive jeudi ou vendredi ou samedi. Je sais pas encore. Mais justement, Emerald, parce que je le voulais à Noël. Mais j'ai dit en envoyant en quelque sorte à moi, à mes parents, leur donnant que si jamais bah, ils signaient le papier à l'endroit où je leur ai indiqué, ça voudrait dire oui, que genre s'ils signaient pas, ben ça voudrait dire non, mais que je me le paye Emerald sur Amazon, et que mais que par contre j'arrête de faire que leur dire oh ce schlèche je le veux et tout, est-ce que je peux avoir un autre schlèche et tout, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, j'ai eu Squirt, ça doit faire 3 semaines à peu près, ou un mois, non quand même pas un mois, ça fait 2-3 semaines que je l'ai, même pas. Donc voilà, en enchaînant, sachant que vous allez me dire oui mais toi t'as enchaîné Quantum et Nuance et les obstacles et Spartan, oui, ça fait 4 trucs, mais Quantum et Nuance, je les avais commandés en même temps, c'est juste qu'ils sont pas arrivés en même temps. Et après, les Spartan, c'était un cadeau pour les vacances. Et pour finir, les obstacles, c'était parce que dès que je les ai vus, je les voulais absolument.
Mais les obsèques, je les ai commandés quand même un moment après. Alors, je les ai eus le même jour que Nuance parce qu'ils sont arrivés le lendemain. Sûrement, dès que je les commandais, ils savaient qu'il y avait déjà une commande en cours, c'est-à-dire Nuance. Et du coup, ils m'ont mis ensemble. Du coup, voilà. Mais en gros, je crois que c'est le premier quand même que j'enchaîne aussi vite. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas. Ils arrivent pas en même temps, vous dites déjà quoi? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ce petit cheval a sa petite couverture. Alors, à la base, j'avais fait le tuto avant-hier. Je vais me dépêcher. J'avais fait ce tuto avant-hier, mais le truc, c'est que au début, j'allais le faire quand je me suis rendu compte que je ne savais même pas comment faire. Parce que, ok, j'ai déjà fait un tuto étant Playmobil, mais je baissais la tête pour que ce soit aligné au dos, sauf que les flèches, on peut pas baisser leur tête. Du coup, je ne savais pas. Et au final, je me suis inspirée, comme le Nicole et la couverture Playmobil, d'une vidéo d'Eben Flèche. C'est-à-dire que elle. Attendez. Désolée. Mais juste ne vous étonnez pas si vous. Voilà, si vous voyez ma petite minette. Non, mais elle est sérieuse là? T'es sérieuse? Je suis en train de filmer là. Petite coquine. Mais non! Oh là là! Elle veut se faire remarquer. Hein. Mais dès que je filme, elle adore. Elle adore venir. Et en plus, elle se gratouille et tout, tranquillou, quoi. Non mais. C'est quoi ce délire, quoi? Elle est à côté. Hein. Oh là là. Bref. C'est justement elle qui a miaulé. Pas vrai, ma petite chérie. Mais ouais, je t'aime, mais bon, là, tu me gênes un peu. Merci. Mais je regarde mon écran, je la vois là. Elle prend toute la place. Dans son tuto de MZ Flèche, elle prenait la couverture et elle dessinait autour, on va dire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle traçait le modèle. Genre, moi, j'ai essayé cette chère petite couverture sur Emerald. Ça lui allait nickel, voilà. Du coup, je l'ai reproduit sur le truc. Voilà. Et du coup, j'ai fait la couverture. Et aujourd'hui, notre jeune et petit cobaye, enfin jeune, j'exagère un peu, il n'est pas vieux, hein, clairement, il est en forme. Donc, vous allez me dire, oui, mais lui, il a une couverture. Non, je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, cette chère petite couverture juste là. N'est plus à lui, enfin, à la base, elle était à lui, mais j'ai décidé qu'elle serait à Spirit. Et celle-ci, elle est à Crystal. Du coup, Crystal et Spirit en ont déjà une. Et du coup, elle me rend aussi. Il faut juste. D'ailleurs, que je pro. Enfin. Elle est où? Je t'en décris. Je sais pas ce qu'elle fait. Il faut juste que je prévoie le fait que du coup, je vais faire une couverture pour Raven de cette couleur. Et aussi pour Emerald de cette couleur. À moins que je change d'avis et que je fasse des guêtres bleues. Et du coup, aussi des. Une couverture. Oui, vous allez me dire, oui, mais t'as plus de guêtres bleues. Oui, mais je compte mercredi d'après ce qu'a dit ma mère, entre guillemets, parce que je sais très bien que ça va être faux, que j'aurai dans 10 ans, mais bon, tant pis. Elle m'a dit qu'on irait au Leclerc acheter la carte SD, enfin, si on en trouve une, les peintures, oui, les peintures, les trois, bleu, rouge et noir. Les guêtres, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Et aussi à Decathlon, acheter des friandises pour les chevaux, un pantalon. Il y avait un autre truc à Decathlon, mais je sais plus. Ah oui, là je vous parle pour les Schlèches, mais je vous parle aussi, vu que les Schlèches c'est des chevaux, et les Playmobil que je fais, et les Schlèches c'est des chevaux. Donc je vous parle aussi de moi qui fais de l'équitation. Là, la dernière fois j'avais monté Uria pour la première fois, je vous l'avais déjà dit, et elle est un peu coquille, hein. C'est-à-dire qu'elle veut pas avancer. Mais je vous l'avais déjà expliqué. Allez voir mes précédentes vidéos d'il y a pas longtemps, et vous allez voir. Donc on commence cette vidéo parce que ça fait déjà 9 minutes, bientôt 10 que je parle. Donc en premier il vous faut donc de la feutrine verte. Alors cette petite couverture, bon je l'ai essayé tout à l'heure, je peux pas trop juste. Je vais prendre celle-ci. Attendez, je lui mets. Alors, vous voyez que elle est un peu trop grande au niveau du cou.
Du coup, je la raccourcirai. D'ailleurs, au niveau là aussi. Mais bon, je la raccourcirai, ne vous inquiétez pas. Ah, parce que ça se met comme ça. Non, ça arrange rien. Mais bon. Au moins, il est couvert. On dirait, mais bon. Au moins, je peux, si je l'attache sous le ventre, ça donnera ça. Et du coup, ça fait des moches plis là. Mais c'est pas grave. Moi, je vais. Bref. Donc là, la modèle, ça veut dire. Enfin, sauf une élève modèle. Après, il vous faut une pince pour ouvrir les anneaux et les crochets. Enfin, les crochets, il n'y a pas besoin. Donc, c'est des crochets et des anneaux comme ça, en de la couleur que vous voulez, bien sûr. Voilà. Cette couleur. Alors, moi, j'en ai plusieurs, bien sûr, couleur. Après, on a besoin d'un ciseau pour couper la feutrine. Oui, parce que ce tissu, c'est de la feutrine, le tissu vert. Aïe. Et alors, tant que ça se voit sur la feutrine, on s'en fiche de la couleur. Mais voilà. Moi, j'ai pris un feutre noir. Après, vous pouvez prendre un marqueur, vous prenez ce que vous voulez. Et pour finir, bah, le cheval. Important. Très, très important. Parce que sans cheval, vous ne pouvez pas faire de couverture. À moins que vous serviez du modèle. Et de... Voilà. Du coup, c'est parti. Je vais pousser un peu tout ça hein, pour faire de la place. Sachant que côté de moi, c'est le bazar. Je vous montre. Tac, 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 tac. Bon, là, il y a mon petit pied. On va vu comment on d'air, ça va. Et de l'autre côté, bon, ma jambe. Et là, derrière, une feutrine. C'est un peu en bazar. Enfin, voilà. Il faut vraiment que je vais faire un rangement. Donc, derrière, j'ai aussi ce bout. Dès que j'avais fait la couverture de Tamron. Voilà. Du coup, je vais pousser tout ça. Attendez, j'avais juste enlevé ces trois trucs, la feutrine, la pince et le ciseau, j'ai remis en vrac. Mais j'ai trop envie de vous faire un truc. C'était pas hyper réussi, hyper bien réussi, mais je me rappelle que c'était la première fois que je faisais ça. Alors je regarderai ce petit passage avant de la poster, ou même une fois posté, je m'en fiche. Mais je regarderai voir ce que ça donne. Ce sera sûrement marrant. Juste, j'ai poussé ce petit cheval alors qu'on en a besoin. Parce que je suis bête. Donc, désolé, on voit pas le bout de ses oreilles. Hein, mais il y a rien de spécial. C'est juste des oreilles. Un bout de des oreilles. Enfin, des oreilles tout court. Oh, laisse tomber. Je m'enroule pour rien. Hein. Mais, je suis bête. Non, c'est pas de suite. Il faut déjà prendre ça. Et ça. Et ça. Et voilà. Pour le moment, c'est tout. Attendez, je calcule juste cette petite couverture. Où est-ce qu'elle rentre là? Elle rentre là? Non, elle rentre pas. Elle rentre là. Ça va être trop dur. Ouais. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre un peu juste. Comment te dire que ce sera à peine plié comme ça là? Platé. Voilà. Donc elle rentre là et elle, parce qu'il faut aussi de la place pour elle. Et elle, elle rentre aussi. Ah, soulagée. Non mais je voulais voir en fait si les deux elles rentraient. Sachant que Emerald, il avait eu besoin de celle-là pour le modèle. Et Raven de celle-là. Du coup, pour voir si les deux rentraient. Même s'il ne me restera pas beaucoup de tissu. Sachant qu'il me reste aussi. Je peux mettre... Enfin, à la base, il était là. Voilà. J'ai reconstitué ce petit bout. On voit bien la forme, en plus, là, de la couverture. Voilà. On voit bien. Là, donc, ça rentre, hein, tout ce que je voulais savoir. Si ça rentre. Alors là, celle-là, elle rentre juste, mais elle rentre. Du coup, vous tracez le trait. Attendez, parce qu'il faut bien que je la calme. De ce petit côté là, hyper dur, hyper méga dur. Youpi, hop là, youpi.
Désolée pour ce silence insoutenable. Elle ne peut pas le dire. Insoutenable. Mais clairement, je ne suis pas faite pour ça. Hein. C'est ma deuxième couverture de ma vie. Voilà. En tout cas, parce que le mobile a fait 10 millions. 10 millions, j'exagère un peu. Je crois que j'ai 26 Playmobil ou 26 en chevaux, bien sûr. Donc, après cette étape, on se débarrasse un peu de tout, de la poitrine. Et par contre, on prend notre jolie petite paire de ciseaux. Que vous soyez droitier avec un ciseau droit ou un gaucher, on s'en fiche. Hein. Ah non, attendez. Tap, tap, tap. Attendez. J'ai juste découpé ça, ça va. J'ai oublié, petite étape. Oula, je fais un peu à l'envers. Mais il faut toujours, absolument toujours, vérifier que la couverture va au cheval. Donc, moi, c'est comme ça. Là. Là, ce serait plutôt. Du coup, je vais raccourcir là. Et en calculant, voyant ce que ça donne, le voilà. Du coup, il faut que je raccourcisse à peine. À peine de chez à peine. Pas à peine. À peine un peu beaucoup, quoi. À peine, à peine. Voilà. Mais il faut bien raccourcir un peu. Du coup, vous revérifiez avant de découper. Bon, c'est bon là, c'est bon. Hop, et vous découpez enfin. Donc vous essayez bien sûr de faire des côtés un peu arrondis. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien parce que là, c'est pas vraiment des côtés arrondis. Même au niveau de la tête, c'est pas parfaitement arrondi. Après, vous faites au mieux, hein, on s'en fiche si c'est mal fait. Et si c'est vraiment, vraiment mal fait, vous réessayez. Je suis carrément fière. À moins que vous ayez plus de feutrine. Bon, là, vous faites avec pour le moment, ou alors vous prenez d'autres couleurs, ou alors vous attendez de pouvoir en acheter. Et voilà. Bon, du coup, ça donne ça. Alors, c'est un peu bizarre parce que du coup, j'ai frôlé là. Ah mince, ça s'est accroché. Dommage. Du coup, là, il n'y a plus que ça. Ah, je coupe. Et ça me donne ce petit morceau avec tout le reste. C'est trop bizarre. Voilà. Donc, on va vérifier ça. On va vérifier, toujours vérifier. Non, il faut toujours, absolument, toujours vérifier. Bon, du coup, c'est un tout petit peu long. C'est un poil trop long. Du coup, vous raccourcissez si c'est le cas. Allez. Si c'est pas le cas, bon, je mets sur pause. On se voit après dès que j'ai fini. Du coup, ça me fait une petite tige. Donc, moi, j'ai fini. Encore une fois, vous avez fini. Vous vérifiez. Alors, moi, il s'est passé une ou deux minutes pendant que vous. Ça s'est passé même pas une seconde, quoi. Donc, voilà, je vérifie. C'est correct. Si c'est pas correct pour vous, vous rectifiez. En fait, c'est pas correct. J'ai juste enlevé ça, mais c'est toujours mieux que voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, alors, ce qui va un peu me gêner là, à ce moment-là, c'est que sa patte soit comme ça. Que si je la mets à la hauteur convenable, oui, ça bloque un peu ou quelque chose. Du coup, ça va être comme ça. Mais peut-être que ça va pas forcément bloquer. Enfin, on va voir. Après, j'ai oublié un petit détail, quelque chose de pointu. Alors moi, habituellement, je suis avec mon copain. Non, je n'ai pas de copain. C'est pour ça que je suis arrivée. Donc, vous faites au niveau de où vous allez accrocher les crochets devant. Vous faites un trou. Vous prenez aussi votre pince. Et vous ouvrez l'anneau. Désolée, il y a souvent des temps de silence. Si je pouvais faire du montage, les enlèverais. Mais le truc, c'est que je ne peux pas voir. Ce que je vous l'ai dit dans une vidéo, il me faut plus de place. Du coup, j'espère que mercredi, hein, on trouvera la carte SD, si on y va. On trouvera la carte SD qu'il me faut, qu'on l'insérera le plus vite possible. Comme ça, je pourrai vous faire une vidéo. Comme ça, peut-être dans l'ouverture de colis.
Il y aura double bonne nouvelle. Deux belles. C'est-à-dire le colis plus le fait que je puisse faire du montage. Enfin, le jour de l'ouverture de colis ou le même jour. Ou bien, je vous ferai une vidéo rien que pour vous dire ça. Du coup, elle sera très courte. Donc, ça va dire mon père. Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas, c'est que j'étais toute seule chez moi. Mais bon, maintenant il y a mon père, donc je suis toute seule. Donc, j'ai fait un petit trou où j'ai passé l'anneau et le crochet. Ouais, c'est très réaliste, hein, clairement. Donc, vous reprenez, en fait, vous faites pareil de ce côté et on se retrouve juste après. Donc là, je vérifie, je vous montre. Là, j'en ai mis que 3, peut-être que je vais devoir en ajouter. Là. Ah. On voit mal, c'est chiant. Oh. Oula, distance parfaite, mais toujours en... Ah. Oh, c'était juste il y a 2 secondes. Voilà. Non, mais je veux qu'on voie ce petit crochet, là. C'est pas possible. On dirait 8. Mais du coup, j'en ai accroché 3. Du coup, j'attache. Alors, moi, je fais sans le mettre la couverture directement. Genre là, j'ai attaché. Et je glisse sa tête dans le trou. Et basta, clairement. Donc, là, je vois que c'est même un peu trop grand pour Raven. Alors, je trouve qu'il a un petit torse plus fin, on va dire, que lui. Parce que lui, il en a un plutôt gros comparé à lui. Même il est plus grand en plus. Donc voilà. Du coup, je vais enlever un anneau. Et après, dès que vous faites ça, au niveau du bas du ventre, à peu près bien sûr, vous faites un autre trou. Et dans ce trou, vous glissez d'un côté. Alors, vous voyez le crochet que vous avez mis au niveau du torse. Et ben, vous le mettez au même endroit. Là, il est où mon deuxième crochet? Ah. Vous mettez pareil. C'est-à-dire que là, attendez, je ferme et je vous montre. Du coup, là, j'ai plus que 2 crochets. Là, c'est le côté du crochet. Et ben, au niveau du ventre, vous mettez du même côté ici, enfin, ici, le crochet. Voilà. Donc, je vérifie mon petit truc pendant que vous êtes sûrement en train de le faire. Ouais, c'est mieux presque que je pourrais le raccourcir. Je verrai dans à l'avenir si vraiment je trouve que c'est trop grand. Donc, vous faites le petit trou. Alors, les deux au même niveau. Après, vous faites à peu près vers le milieu. Ça dépend aussi les pattes de votre cheval. C'est-à-dire que là, il y en a une qui est très avancée. Il faut faire attention à la cuisse, qu'elle gêne pas. Lui, encore, ça va. Lui, on a plus d'espace. Mais lui, on a pas mal d'espace là. Mais bon, il faut pas que ce soit trop vers la tête non plus. Enfin, voilà, ça dépend. Je vous montre ce petit cheval. Je vous laisse l'admirer. Ben, si vous l'avez, lui, vous pouvez faire... comme ça, vous savez le nombre d'anneaux là que je vous dis et tout ça. Attendez, je cherche mon petit anneau. Le petit crochet. Et je fais la même chose que ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, là, le crochet, je le mets du même côté que le premier crochet que j'ai mis. Le crochet de devant et le crochet de derrière. Je mets du même côté. Ah, oh, j'arrive pas à viser, c'est chiant ce truc. Par contre, clairement, il faut savoir viser. Parce que moi, là, j'ai fait avec une aiguille. Qui est plutôt fine. Habituellement, c'est plus facile avec le compas parce qu'il commence avec un bout fin et pointu, mais après, à la fin de la mine où on décompose, pas avec du côté du crayon, hein, l'autre, et ben c'est gros quoi. Du coup, c'est beaucoup mieux pour. C'est beaucoup plus facile pour. Ça dure déjà 24 minutes pour un petit tuto quoi. Enfin, c'est juste que je bavarde trop. Il faudrait que de temps en temps je fasse des vidéos où j'écrirais spécial bavardage, un truc dans le genre.
Même si là, je bosse là de suite, là, en un présent. Je suis en train de bosser en même temps que je vous parle. Je vous rassure. Je ne fais pas rien là avant les bras croisés ou à taper des mains ou à admirer le cheval. Non, je suis en train de bosser une dame. Ou monsieur. Je sais même pas en fait. Parce que c'est vrai que je suis en train de me dire. Là, je parle pas forcément qu'à des filles. Parce que depuis. Enfin, je me suis jamais vraiment dit ça. Mais bon, toutes mes copines ou copains qui sont abonnés à moi, c'est que des filles. Donc c'est que des copines. Mais je suis pas au courant si j'avais un garçon de mon école et abonné à moi. Et bon, il y a mon père, mais bon, c'est pas un enfant, premièrement. Et puis, même si ce serait. Même si c'est un adulte, il regarde jamais mes vidéos. Voilà. Mais je suis en train de me dire ça, quoi. Enfin, pareil, il y a des garçons qui sont en train de me regarder. Clairement, c'est pas que ça me gêne, mais bon, c'est un peu bizarre de se dire ça. Clairement, si vous êtes une fille et que vous avez une chaîne, dites-vous un peu ça, que pareil, il y a un garçon. Par exemple, Tess, si jamais tu vois cette vidéo, d'accord, t'as 16 ou 17 abonnés, je sais même pas. Mais t'en as une bonne dizaine, une bonne grosse dizaine. Mais tu ne dis pas, genre, qu'il y a pareil un garçon, pas forcément de notre école, mais un garçon qui nous regarde, quoi. Qui regarde la chaîne, qui a abonné à ta chaîne ou à ma chaîne. C'est trop bizarre, quoi. D'ailleurs, allez voir mon amie, donc elle s'appelle Tessplay. Voilà. Et aussi, en fait, allez sur ma chaîne, sur l'écran d'accueil en haut de ma chaîne, il y a écrit chaîne. Justement, je vais que dire le mot chaîne, les chaînes comme à la télé, ou les chaînes YouTube, comme d'autres cas, comme mon cas surtout, enfin, de ce que je parle. Mais il y a écrit chaîne, vous cliquez sur chaîne, voilà. Et il y a toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Il m'a abonnez-vous à toutes les chaînes où je suis abonnée. Et vous verrez. Alors oui, il n'y a pas que des schlèches. Mais il y a juste Tessplay qui ne fait pas des chevaux. Elle fait des pet shops. Et aussi une fille du nom de Vovo. Enfin, on la surnomme de Vovo. Mais je crois que son nom c'est Lucie ou Lucille. Un truc dans le genre. Mais franchement, allez les voir. Sinon, il y a mon cheval Saphir qui est génial aussi. Ouais. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Vous voyez le rendu, c'est très très réaliste. Donc en dessous, j'ai mis trois anneaux par contre. Alors oui, par exemple, moi, ce que je vous ai dit de faire attention, j'ai fait l'erreur. C'est un peu trop vers le sexe. Enfin, à la base, c'est une fille. Ce serait un garçon, ce serait un peu gênant. C'est-à-dire que. Lui, il aurait la couverture là, qui frôle le sexe. C'est un peu. Ça chatouille, quoi. Si jamais il se met à remuer, c'est normal. D'ailleurs, je vous montre avec sa couverture. Du coup, ça va faire le duo vert. Parce que Emerald va avoir la couverture verte. Enfin, ce Emerald-là, il l'a déjà. Mais le mien, il l'aura dès qu'il arrivera. Enfin, peut-être pas le jour même. Je vais d'abord en fait m'occuper des priorités. En fait, à la base, toute base, je me suis dit, je vais faire dans l'ordre du premier qui est arrivé jusqu'au dernier. Je voulais commencer par Blanche, mais comme. Eh ben, je vous l'ai dit ou pas? Non, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo avant qui durait trop 3 plombes. Et il restait plus que quelques secondes. 16 minutes en fait à bavarder. Ce qui a un peu été le cas. Mais là, j'ai 47 minutes. Ah, mais j'arrive pas à. Ah, bon, d'accord. Tant pis, je vous montre comme ça, mais ça fait du coup le duo vert. Mais du coup, voilà. À la base, ben, j'ai prêté à Roxane Nuance. Roxane m'a prêté Emerald, vous voyez. Et moi, j'ai prêté aussi Blanche à Talia. Mais ce matin, j'ai amené Emerald. Mais. Talia a oublié Blanche chez elle et Roxane a oublié Blanche a oublié Nuance chez elle. Génial, c'est le top. Mais du coup,
Les premiers que j'ai eus, je les ai eus en même temps, c'était Raven et Blanche. Je me suis dit, on est en fille. Mais non, c'est vrai, j'ai pas Blanche. Du coup, ben, je vais faire Raven. Mais du coup, demain soir, si j'ai pas la flemme, je ferai Blanche. Et après, je ferai ainsi de suite. Enfin, avant que je me dise ça, j'allais faire Cristal. Jusqu'au moment où j'allais lui essayer la couverture. Enfin, non, je sais même pas, je l'avais prise. Justement, elle est là, c'est pour ça. Les autres sont dans la poche qui est juste là. Voilà. Mais je l'avais prise. Mais à ce moment-là, dès que je l'ai prise, je me suis dit, mais pourquoi je la prends en fait? Elle a déjà une couverture. Elle est là. Et Spirit aussi. Que j'allais prendre juste après. Après, c'est ça que je me suis dit. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder plus. Du coup, soit tout à l'heure, mais ça m'étonnerait parce que là, je suis à moitié réveillée. Soit au pire, un autre jour, je vous ferai une. Je vais y arriver. Un cours de saut. Surtout que c'est pas que je suis fatiguée. Ok, je suis fatiguée, mais là, vous n'allez peut-être pas la voir. J'ai enfin compris en fait comment on pouvait zoomer. Là. Vous la voyez pas là, ma petite araignée. Sachant que j'ai peur des araignées. Du coup, ça va être galère. Au pire, j'appelle mon père. Oula. Urgence araignée. J'aimerais bien prendre mes trucs. Mais je ne peux pas à cause de cette petite foutue araignée. Voilà. Alors, peut-être que vous aimez les araignées. Oui, je les aime bien. Mais c'est-à-dire qu'avec toutes leurs pattes. Et le mini-corps avec les grosses pattes. Voilà, j'aime pas. Après, je veux pas les tuer, mais mon père, justement, je l'appelle à lui parce que lui, il la prend délicatement et il la met dehors dans sa vraie vie, quoi, parce qu'elle est pas censée être dans la maison. Voilà. Bref, j'arrête cette vidéo-là. Du coup, peut-être à tout à l'heure ou un autre jour pour une nouvelle vidéo. Bye bye!